La méthode NoYoYo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Dérégimez-moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Toute cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir un immense champion qui compte 50 sélections en équipe de France, qui fut vainqueur de la Coupe du Monde 98 et de l'Euro 2000. C'est le grand champion de foot et désormais comédien, Franck Leboeuf. Franck, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, mon cher Sylvain, tout va bien. Merci d'avoir accepté notre invitation et de passer cette semaine en notre compagnie. On est vraiment très heureux de pouvoir vous recevoir. Alors, ma foi, on ne vous présente plus tellement votre visage nous est connu depuis un fameux soir de l'été 98. Mmh. Mais pour les étourdis et ceux qui sont un peu tête en l'air, on va pouvoir refaire un peu le tour de votre carrière. En quelque sorte, vous avez, on va dire, deux vies. La première, ouais. Vous étiez... un footballeur international. Vous avez joué donc en équipe de France, dans d'autres pays également. Oui. Vous étiez défenseur, c'est ça? C'est ça, défenseur central, oui. Défenseur central, ah oui, ça change tout. Ah oui. C'est le plus important, des défenseurs? C'est-à-dire qu'on a une colonne vertébrale dans le football, ce qui se retrouve au milieu du terrain, donc les défenseurs, milieu de terrain, attaquant et le gardien de but. Et voilà, on commande un peu plus que les autres qui sont sur les côtés, on va dire. Vous avez plus de boulot? Oui, parce que la finalité, c'est de pouvoir marquer un but. Et comme j'étais au milieu, j'étais là pour empêcher le beau jeu, en fait. Vous êtes donc un trouble fait. Oui, j'étais un dérangeur, en fait. Voilà, un dérangeur. Mmh. Ah, ça vous va bien? C'est bien. Après, faut tout ranger, mais c'était un peu ça. Ouais. Donc, vous avez un palmarès vraiment surprenant, vu que vous avez effectivement gagné la Coupe du Monde en 98, l'Euro 2000, là également la Coupe des Confédérations en 2001. Ouais. Et maintenant, il y a une deuxième carrière qui s'ouvre à vous, vu que vous êtes consultant foot pour RMC et BFM TV. Notamment. Vous avez également une carrière de comédien, vu que vous faites du théâtre et également du cinéma. Exact. Vous êtes actuellement en tournée nationale pour une pièce qui s'appelle « Ma belle-mère et moi ». Exact. On aura l'occasion d'en reparler au courant de la semaine. Mais on va revenir un petit peu à Dérégimez-moi, si vous le voulez bien. Vu que vous avez eu une carrière en Angleterre, comment on pourrait traduire Dérégimez-moi en anglais, par exemple? Très difficile, je sais pas. Je dirais « take care of me », peut-être, ça sera plus simple. Ah ça me va bien comme raccourci. Eh bien, on est d'accord. Donc, « take care of me » par rapport à l'alimentation, la santé et le bien-être. Mm-hmm. Et également, on va parler aussi au courant de la semaine de sport, domaine que vous connaissez un petit peu quand même. Tout petit peu. Un tout petit peu, tout à fait. Donc, la première émission donc aujourd'hui est bien consacrée à la silhouette. Donc, on va pouvoir découvrir la vôtre. Et le mieux, c'est de pouvoir... vous êtes effectivement grand déjà et lancé, 1m85, si je ne me trompe c'est pas. C'est ça, 1m85. Hein. 1m85. Et on va pouvoir vous découvrir en photo. On va voir la première photo qui s'affiche. Donc là, il y a un changement... Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça je vous le dis. Il y a un changement direct sur cette silhouette. Flagrante. Flagrante. Ça doit être les oreilles. Oui, vous avez des oreilles qui sortent plus que d'habitude. Ça doit être ça. Ouais. Parce qu'il y a des cheveux qui les enveloppent. C'est là où j'avais du poids, en fait, à ce moment-là. Mais, Vous avez quel âge sur cette photo? Je dois avoir 22 ans. 22 ou 23 ans, ouais. Mais vous étiez fin quand même. J'étais encore plus fin que maintenant, puisque à ce moment-là, je dois faire moins de 70 kilos. Moins de 70 kilos. Ouais, je dois faire 68, 69 kilos. Ah ouais, j'avais 4-5% de graisse sur le corps. On faisait que courir, donc il n'y avait plus rien. Il y avait du muscle, des os, quoi, les organes, mais il n'y a pas de gras. C'est pas possible. Surtout cette période-là, on courait beaucoup. Je me rappelle en préparation, l'entraîneur, je le haïssais pas mal parce qu'il nous arrivait de faire 11 km le matin en footing et 11 km l'après-midi. Quand je rentrais à la maison, je faisais que boire, je ne mangeais pas. Voilà. Bon, c'est bien de boire malgré tout. Ah, il faut, parce qu'il faut récupérer les sels minéraux et puis tout ce qu'on perd en transpiration. On va vous découvrir sur une deuxième photo. Celle-là est un peu plus mythique.
Ah oui. Oui, qu'on a dû vous en parler des milliers de fois, je suppose. Tous les jours, en fait. Tous les jours. Ça fait 15 ans qu'on m'en parle tous les jours. C'est vrai. Tous les jours. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on vous parle de 98. Non, à moins que je reste chez moi tout seul, mais je m'en parle pas. Hein, mais sinon, c'est vrai que tous les jours, j'ai quelqu'un. On m'a posé la question il y a 4-5 ans. On m'a dit, un journaliste me posait la question, est-ce qu'on vous en parle? Et à ce moment-là, j'ai fait attention. Et ça a duré 4-5 mois où j'ai fait attention. C'est tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'en parle. Et c'est adorable. Et puis, ce qui est le plus adorable, c'est qu'en fait, les gens ne disent pas bien joué ou quelque chose. Ils nous disent merci. Ouais. Revenons à la silhouette. Vous êtes très sec, quand même, malgré tout, à la fois sur la photo et donc un véritable athlète. Je suis devenu un homme, en fait. Là, sur cette photo, je dois avoir 32, 33 ans. C'est après la Coupe du Monde. Je dois faire 72, 73 kilos. Et en fait, je suis plus petit que maintenant, parce que je fais 1m83,5. Parce qu'on nous mesurer et peser tous les deux mois, tous les trois mois. Et comme j'ai fait pas mal de musculation après, maintenant je fais à peu près entre 80 et 81 kilos, je fais pas mal de musculation. J'ai dû me redresser parce que je fais 1m85. Vous avez grandi depuis. J'ai pris un centimètre et demi. Et je ne peux pas dire que c'est les cheveux, la mise en pli ou quoi que ce soit. C'est vraiment moi. Et vous souvenez de cette fameuse journée de la finale de la Coupe du Monde. Oui. Qu'est-ce qu'on déjeune au petit déjeuner un jour comme ça? Alors là, mon cher Sylvain, je ne vais pas être dans le régime, puisque même Zinedine Zidane en parle dans son livre, puisqu'on était à peu près les deux seuls à prendre un petit déjeuner. On se levait assez tôt, enfin tôt, 8h30, 9h. Moi, les gens qui travaillent, c'est pas très tôt, mais enfin pour les footballeurs, c'est tôt. Je mangeais des crêpes. Donc le jour de la finale 98, moi le matin, j'ai pris des crêpes et ça surprenait Zizou, mais voilà. De toute façon, quand on est en pleine forme et qu'il faut un peu de gras pour faire du muscle et puis il faut remplir quand même. Il faut de l'énergie. Il faut de l'énergie et c'est vrai que la crêpe au Nutella ou à la confiture, ça remplissait bien son Francky et donc j'étais très content. On va vous découvrir la troisième photo, une photo récente. Dans une nouvelle ville, sur cette photo, vous êtes sur les planches. Je précise que je suis à droite. Hein. je fais ça comme ça. C'est la personne qui n'a pas de cheveux, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est toujours celui-là. Voilà. Bon, on voit quand même, c'est vraiment gentil de nous montrer, justement, en abordant le sujet de la silhouette, autant de détails. Vous êtes torse nu. Demain, j'enlève le bas. On vous prend. Attention. Vous revenez demain. Oh là. On va parler d'habitudes alimentaires. D'accord, ça va aller. Bon, donc là, vous êtes dans votre pièce de théâtre, vous êtes en grande partie dans la pièce torse nu. On a l'occasion de reparler mercredi. Oui. Mais on voit quand même sur cette photo récente, malgré le fait que vous ayez arrêté une carrière sportive à haut niveau, que votre silhouette n'a pas changé. Donc ça, c'est assez remarquable. Je vous remercie tout d'abord, mais c'est surtout qu'en plus, j'oserais dire qu'elle s'est améliorée. Comme je vous disais, j'étais très mince, j'ai 73 kilos et j'ai jamais travaillé le haut de mon corps en fait. Ma mère était amoureuse de mes cuisses, elle trouvait que j'avais les plus belles cuisses au monde, mais enfin c'est ma mère. Mais c'est vrai que le haut, c'était vraiment pas terrible et après ma carrière, j'ai décidé de faire moins de cardio, c'est-à-dire moins de footing et travailler plus sur le haut du corps. La musculation. La musculation, c'est-à-dire que c'est très difficile quand on fait du cardio de prendre du poids. Parce que bien sûr, on puise dans ce qu'il y a dans le muscle pour pouvoir courir et se maintenir en forme. Et là, en fait, j'ai pris 8 kilos de muscle en 4-5 ans. Il faut savoir qu'on ne peut pas prendre, en principe, plus de 5 kilos par an de muscle. Hein. Ceux qui prennent plus, il faut essayer de savoir ce qu'ils ont pris à côté. Hein. Voilà. Mais voilà, et c'est vrai que je suis assez content du résultat, parce qu'à 45 ans, je trouve que ce n'est pas trop mal. C'est pas mal. Je confirme. Eh bien, Franck, on arrive au terme de cette première émission, déjà. Déjà. Merci beaucoup pour toutes ces confidences et pour avoir partagé certains éléments avec nous. On va se retrouver dès demain pour aborder un nouveau sujet, parce qu'on va tout savoir sur vos petites habitudes alimentaires. On va s'inviter chez vous. Aïe, aïe. Et comme à chaque fois, on va terminer cette émission avec le conseil bien-être du jour. Pour éviter de grossir quand vous voyagez souvent, il est conseillé de se mettre immédiatement dans le rythme local et de se limiter à 3 repas par jour. Il faut aussi éviter les grignotages, surtout si vous êtes en formule all inclusive. Bonne journée et à demain. –
la méthode No Yo Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.